Bonjour, ouverture de ce vlog. Nous sommes le même jour que le jour où j'ai clôturé le dernier vlog. Est-ce que c'est clair pour vous? Pour moi ça l'est, en tout cas c'est la chaise. Une journée, vous n'imaginez même pas l'ascenseur émotionnel. Je suis passée par plein d'émotions entre le matin, ce que je vous ai dit, où il manquait des produits. Mais en milieu et fin d'après-midi, je me suis rendu compte que une autre gamme d'articles qui doit être dans la box, en plus c'est une création, il en manquait une quarantaine. Autant dire les boules, parce que c'est pas le genre de choses que tu peux refaire comme ça. La créatrice, elle est dessus depuis 2 mois. Et donc, impossible de trouver ce colis. En fait, il est resté bloqué, je ne sais où. Les choses vont se débloquer, mais ça va me décaler. Ça va me décaler. Et moi, je voulais tout faire pour être prête quand tu auras mon frère. Et résultat, 19h17, je dis, voilà, Eric, cette journée m'a saoulée. On s'en va, on va manger. On va manger où, bébé? On va manger au camping, là où la dernière fois, en fait, on avait bu qu'un apéro parce qu'il y avait camping pas... des fleurs bleues, il y avait plus de place. Je serais payé une guitare. J'ai réservé, par contre. Et heureusement, parce que je crois que c'était limite. C'est pris d'assaut. C'est the place to be. Ah, j'allais le dire. Place to be. Quoi, non? Non. Oh, t'es content? Oui. Bon, allez. Non. Vas-y, mais attends. Et je me suis même pas changée. Oh, j'aime bien. C'est ma jupe longue avec ça. Ça fait bien parce qu'en fait... Autour du SA, c'est du bleu marine, voyez ou pas? C'est bleu marine, raccord avec le bleu. Allez, go to the beach. Non, c'est là que vous regardez, focus. À cette journée... Merci, moi j'ai pris une 4 saisons avec fond d'artichaut. Ça m'embête, parce que... Petite balade digestive. La pizza était trop bonne, mais la glace était... Je voulais pas montrer... 3 mètres de haut. J'ai mal au ventre. Et là, on est en fait, c'est magnifique. C'est le château de Montigny-le-Ganelon. C'est calme, c'est beau. On avait tourné le clip, je sais pas si vous vous souvenez avec Eric ici. Tu te souviens? C'est là qu'on avait tourné le clip? Tout à fait. Là-bas? Un excellent souvenir. Tu m'étonnes. Je crois qu'il y a le châtelain qui arrive, bébé, avec sa mini-moque. Oui. La mini-moque. Comment ça, c'est quoi une mini-moque? Tu connais pas les mini-moques? Ça tourne ou ça tourne pas? Oui. Est-ce qu'on va se faire virer peut-être? That's possible. Vous êtes ouvert le 14 juillet? D'accord. Très bien. Ben, merci du renseignement. Pas mal. Il est encore au boulot, là. Tu sais qu'il est venu que pour nous. Mais je sais, oui. Bon, il était gentil. Ah, très adorable. Oh, qu'est-ce que c'est là-dedans? Il y a de la fumée en face. Justement, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est le bateau. Ah. Ouais, t'attendais à quoi, toi? Je sais pas. Un dragon, un truc un peu... Tu peux laver le pare-brise, s'il te plaît? Non. Pourquoi? Tu vas rien voir après? Bah oui, tu sais faire des traces. Tu trouves qu'il est lavé? C'est mieux déjà. Oh putain, la mauvaise foi, tu entends de trace. Oh ça va, les couchers de soleil, de beauce. Bah, c'est ce que je voulais t'emmener voir. Est-ce que t'es au courant de que c'est un des trucs que j'aime le plus? Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'essaie de te rendre heureuse, tu sais. Bah c'est réussi. Ça dégouline. Non mais le monsieur il m'a fait rire quand même sur sa mini-moque. Tu savais pas ce que c'était une mini-moque toi? Non, alors je savais même pas que ça existait le mot. Bah en fait je ni le sais. Ni la voiture, ni l'objet, ni le mot. Je le sais parce que bah, Saint-Martin, déjà, il y en a beaucoup. Saint-Martin, Saint-Martin. Bah, il vient peut-être de Saint-Martin, moi, au minimum. Ah bah, c'est certainement un des plus beaux couchers de soleil que tu peux avoir au monde. C'est le coucher de soleil sur la Beauce. Nous sommes le lendemain matin. Eric est parti nous chercher on vient de se réviser, des pains au chocolat. Là, j'ai mis ma tenue de combat parce que juste après, je fais vite fait mes exercices. Puis bah, je vais enchaîner toute la journée prod. Quoi. Prod. Je suis mal cadrée, là. Ouh. Est-ce qu'il y a un petit pain au chocolat? Évidemment. Yes. J'ai l'impression que cette journée a duré 1000 ans. Je ne vous ai pas repris. Bien évidemment, avant, il doit être déjà 6h30. Eric m'a dit, vas-y, mets tes baskets. On sort, on prend l'air. C'est le 13 juillet. Ce soir, c'est le feu d'artifice, en tout cas dans notre ville. Je suis pas très motivée, moi, pour y aller, mais bon. On verra. Finalement, la balade s'est transformée en... On s'est appelé avec Marie-Jo, parce qu'elle part bientôt, du coup. On va se rejoindre pour boire un verre. Comment? Mais j'ai ma tenue de... Je vais marcher, quoi. C'est super sympa. J'en profite, il n'y a pas de musique, donc on est au Chabert. C'est un petit bar qui est très sympa, il n'y a pas grand monde. Et j'aime bien la déco. Et je crois qu'à l'intérieur, tu peux acheter les objets. Genre, c'est des petits objets un peu vintage, mais c'est très sympa. Je vous montre quelques petits plans. Donc nous sommes ici. Marie-Jo avec son... Comment ça s'appelle? Épouvantail. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer à l'intérieur. Ah, il y a de la musique, donc je mettrai une autre musique. Mais je vous montre un peu l'idée, l'ambiance.
Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four. Et t'as le mec, il arrive. Il dit comme ça, il fait. Attendez, je peux écouter. On parle de l'armée. En fait, je le sens pas. Il me dit, je le sens pas. Tu sens pas qui? Et je le regarde, j'ai fait, comment ça, tu le sens pas? On est en Bamako. Il me dit, je le sens pas. Il le sent pas. Et la coude, là. Il le sentait pas. La coude. T'es fin ou pas? Caro. En fait, c'est véridique. Attends, écoute bien. Pas moi. Je te jure, pas moi. Des balles à blanc. Il fait au peseur. Tu peux pas tout mettre? Ouais. Et il arrive. Et Romain. Ça commence mal. Les et oh, et vous deux là. Vous êtes sur YouTube, les gars. Alors dites bonjour, vous êtes sur YouTube. Hein. Ah, bonsoir YouTube. T'as pris mon vlog ou quoi là? Donc les garçons, vous êtes au fond, ça vous dérange? Pas de problème. Non, mais c'est le 14 juillet, ça pète. Et en plus, il est DJ. Toi, alors, DJ le mec, ah bon DJ, et puis. Non, mais en plus, je me connais. Caroline. Bistro, Broc et puis. Caroline, regarde la caméra, Caroline. Écoute, je ne. Voilà. Ne j'ai des box à faire, moi, demain. Elle a des box à faire. Et on ne sait pas si elle va pouvoir les faire. Et heures, ça pète. C'est le feu d'artifice. Donc, Romain, il a fait l'armée, il a fait des trucs. Est-ce qu'on peut voir quelque part? Alors, je vous emmène avec moi parce que Caroline m'a laissé sa caméra, bien sûr. Alors, le vlog qui va durer 3 quarts d'heure. Je cherche les. Bah non. Il faut bien stabiliser, hein, sinon c'est pas explosif. Stabilise bien. Alors, je ne stabilise pas, sûrement pas bien, mais j'arrive pas à. Vous entendez le bruit, mais j'ai pas le feu d'artifice. Je ne l'ai pas. Je cherche, mais je ne l'ai pas. Hop. On se dépêche. Tout en stabilisant, voilà, Caroline, dans un effet de passion. Bon, bien, nous sommes le lendemain, pas matin, hein. je vous prends, il est que 14h27. Ça pique un peu, hein, forcément, mais surtout, j'ai fait, d'après vous, j'ai fait combien de box depuis ce matin? J'en ai fait aucune. Pourquoi? Parce que je suis sur le montage de ce vlog, parce que je vous avais dit que je publierai certainement pas de vlog vendredi, donc ce soir, et en fin de compte, bah vu que j'ai vlogué un petit peu, je me suis dit que si, il va falloir que je mette les bouchées doubles à partir de... Bah il va falloir que je bosse à fond la caisse là ce soir, en fin d'après-midi également, parce que comme je vous ai dit, demain mon frère arrive, enfin avec sa famille, du coup je vais les chercher à la gare demain matin, et bah je vais pas pouvoir bosser samedi, dimanche, je vais reprendre que lundi. Je le savais. Je savais que ça allait être compliqué en sortant. Le reste de l'année, on sort franchement quasiment jamais. Et dès l'instant où l'été arrive, allez hop, c'est quasiment on enchaîne. Il va falloir que je m'organise de fou. Hier, c'était vraiment la soirée improbable, la soirée pas prévue. Je vous dis, à la base, on était parti quand même marcher. Juste, et on devait se poser tranquille à la maison. Et voilà, ça part, tu prends un verre, et puis bah... Moi, je me suis couchée parce que j'ai mis un temps hein. Avant d'aller me coucher. J'ai dû me coucher à une heure et demie. Et j'ai plus l'habitude. Je n'ai plus l'habitude. Et oui, j'ai eu pas mal de retours aussi dans le dernier vlog par rapport à la pose de l'auto-bronzant. Enfin, ce que j'ai mis. Là, entre-temps, j'ai fait juste une couche, enfin une pose. J'en ai fait qu'une, mais entre-temps, je me suis lavée forcément et j'ai fait un gros gommage. C'était quand? C'était hier soir. Hier matin, j'ai fait un gommage, mais vraiment, vraiment puissant, alors que j'avais déjà un truc. Donc, c'est un petit peu parti, mais c'est pour uniformiser l'ensemble et pour pouvoir procéder, je pense, ce soir à la deuxième application pour intensifier et unifier. Mais ouais, on est d'accord, franchement, je suis très contente. C'est hyper subtil. Moi, ça me convient. J'avais peur que ce soit hyper foncé. J'ai eu des retours, des questions aussi. Est-ce qu'au niveau des jambes, ça fait des marques? J'ai un petit endroit où j'ai une marque, mais j'en ai pas mis suffisamment, en fait. C'est ça, c'est que j'ai pas osé, donc je vais voir surtout à la deuxième application. Ce qui était vraiment réussi, c'était tout le haut du corps, le visage aussi, j'en ai mis très peu, mais franchement bien. Et là, je suis contente, franchement, je suis contente de ce produit, même si vous m'avez dit, ah, là, j'espère que je vais le trouver, mais en fait, je crois que le mieux, c'est de taper sur internet la marque, c'est Botan, B-O-T-A-N, il me semble. Voilà, vous aurez plus de chance, parce que vraiment, moi, c'était pas prévu, comme elle m'a dit, tu trouves pas partout cette marque, mais top. J'avais pas vu. C'est un jour un délire, toi. Hein. Ça va au niveau des baboules ou t'en veux encore une? Je l'ai... Mais où il est allé les chercher? C'est pas possible. Il a un panier, mais... C'est toi qui allais chercher ou c'est pas... Ah, c'est peut-être Eric qui lui a mis. J'ai pas fait gaffe. Tu joues avec au moins? T'as fait la fête? On a fait la fête, celui-ci? Ça va.
Un petit peu, un petit peu. On met la deuxième sur la tête. Non mais c'est pas possible un gars comme ça. C'est pas possible cette mignonnette. La jaquette est d'une espèce qui vit sur la moquette de sa mère et de son père. Parmi les personnes qui regardent mes vlogs, j'en ai qui me disent c'est fou parce que je n'aime pas les chats. Habituellement, ou c'est pas que je les aime pas, mais voilà, ça me fait rien. Mais quand je vois le petit Jax, j'avoue que ça me fait craquer. Tu rends compte, bébé? T'arrives à faire craquer les gens qui n'aiment pas trop les ça. C'est fort, ça, hein? Oui, bon, maman, elle va retourner pour parler, pour montrer quelque chose. Eric, il a mis un de ses petits ordis. Celui-là, il l'utilise quand il est au lycée. Donc, il l'a ramené là le temps des vacances. Il se l'était acheté. Il n'était pas très cher, mais j'aime bien. Le fait qu'il soit là, je trouve que c'est sympa. Ouais, j'aime bien. Et aussi, vous m'aviez demandé un petit retour, j'arrive. Sur le tout nouveau kit là que j'ai eu il y a très peu de temps. C'est pas une collab, hein, c'est Eric qui me l'a offert. Génial, il est exceptionnel. Je le fais assez régulièrement pour éviter qu'il y ait une grosse repousse qui puisse faire mal. Mais il est top et c'est vrai, avec sa tête rotative, c'est génial. Ça, je l'ai pas encore testé parce que là, je pense que ça sera pas autant probant. Ça m'a pas l'air très puissant pour masser, faire le gommage et tout. Mais bon, tant que j'ai pas testé, donc ouais, je l'utilise de fou. Silk Epil 9 Flex. Avec sa tête pivotante. Voilà, très très bon retour. Eric est en train de faire de la simulation. T'as tout qui tremble là-haut, c'est fou. Vous entendez? Non, ça va peut-être pas ressortir en caméra. Mais bon. Très court vlog. Parce que je vais. Quoi? Qui m'envoie des messages? Attends. Oui, donc très court vlog, mais je vais bosser, je pense que vous l'avez compris. Je vous fais un gros gros bisou et puis on se retrouve probablement dimanche. C'est pas dimanche, ça sera mercredi prochain, voilà. Bisous à tous, je vous embrasse. Ciao.